Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis tout seul, je suis dans un endroit, dans un lieu abandonné, exclusif, que je vous ai fait jamais visiter. Donc on va voir comment ça se passe. Ok, l'entrée est là. Hop, je vais passer par la fenêtre. Du coup, on va tenter de rentrer. Aujourd'hui, on se retrouve dans un laboratoire abandonné pour une session photo horrifique sur le thème d'Halloween. On espère que le concept va vous plaire. C'est parti. Je sais pas si vous aurez remarqué, comme c'est la première expo nocturne française, mais là, on utilise le nouvel appareil photo qu'Eliott a acheté, à savoir le Sony Alpha 3. Sony Alpha 3, donc la qualité doit être plutôt ouf. On espère que ça va vous plaire. Et on continue l'expo. On dirait une espèce d'école abandonnée en fait là. Pour le coup, hop. Mec, Eliott, tu crois pas qu'il y a une photo à faire dans le couloir derrière? Là où, là, à l'instant. Avec le masque. C'est comme dans le film d'horreur, mec. C'est pas pareil. Ouais. Oh, le sol est jonché de débris. C'est franchement compliqué de progresser sans faire de bruit. Putain. Ok, ça va. Ouais, en fait là c'était c'est tout ce qui est établi pour tout ce qui est chimie et tout ça. Il y a ça qui redescend. Et en fait comme ça on se prend pas des capoussures dans la gueule. Ce qui est un peu pratique. Faut qu'on fasse attention à la fenêtre devant, mec. Ouais. Là y'a Pac-Man. Y'a Pac-Man là. Ce que je me disais dans les premières pièces, j'ai cru voir des trucs en plus, ouais. On était déjà venu sur ce lieu, mais il était en pleine journée, genre quelque chose comme 16h. Et même, en fait, même à 16h, on s'est tapé une méga frayeur. Ah ouais, attends, vas-y, je te laisse raconter. On était en bas au sous-sol, et genre en fait, on a entendu des gens rentrer et marcher. Et c'était super badant. Du coup, on s'est planqué. Après, au final, ça s'est passé. Et c'était un moment assez. Ouais, franchement, t'es pas bien. Parce que en fait on est dans, on va pas situer le lieu, mais on est dans un quartier en fait, et c'est vrai que c'est un quartier assez craignos. À certains moments il se passe pas mal de choses, et forcément quand on entend des gens arriver, viennent ce genre de lieu, bah c'est flippant, surtout quand on voit la gueule du lieu, les gars ils cassent tout, quoi. Ouais, et puis en plus on était comme des cons, parce que le seul endroit pour sortir c'était par là où on était rentré en bas. Ouais, on était bloqué. On était bloqué, ouais. Les gars, du coup, direction le sous-sol, comme vous pouvez le voir. L'escalier le moins... Très amical. Ouais, c'est ça, très long. Mais on va y aller, parce que ça attire notre curiosité. Et puis c'est Halloween, donc... C'est Halloween.
Pendant ma chatte, comme si. Si jamais tu vois un clown. Il est flou. Il est pas net. Il est pas net ce type. Bref, on fait des blagues de merde pour se réconforter, mais. On arrive en bas. Ah, il y a une odeur bizarre en plus, non? C'est vrai qu'il y a un courant d'air de ouf. Ah mec, tu sais où j'aimerais bien aller pour faire une, pour faire ta photo là, vite fait. Tu vois les, je passe à travers. Tu vois les, tu sais, la porte avec tous les panneaux danger de mort, machin et tout. Sacrée salle là-bas, vous allez voir. C'est vachement sympa. T'es sûr que c'est par là? C'est pas par là-bas. Je sais que c'est par là. Bon, on va suivre en ville. De ouf. Ah, c'est on n'a aucune idée de l'utilité que ça peut avoir. Ouais, pour le coup. On dirait genre une grosse machine à couture, mais bon. Ah, ça sent une espèce d'odeur horrible. Ouais. Ah, je sais pas ce que ça sent comme produit, mais c'est dégueulasse. La porte. Ah, là voilà, la fameuse porte. La fameuse porte dont vous parlez. Petit symbole nucléaire. Petit symbole inflammable. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est corrosif. Genre, en mode, ça brûle et tout. Putain, on a un autre petit là, au cas où. Au cas où t'as encore envie de rentrer, tu vois. Et puis, ils se sont dit, si jamais il y a un mec qui rentre, on va lui montrer qu'il vraiment c'était une grosse connerie. Ça tue, ça empoisonne, ça ronge, ça pique, ça flambe, ça fait flamber. Ça pollue. Et il en manque un. On va dire que c'est quoi, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et donc, voilà. Une petite collection de trucs. Oh, mec, mec. Oh, la pelle. Chut, t'entends. Non. Ça va nous faire flipper, ce con. Ça marche. Cette exploration nocturne touche à sa fin, on espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Retrouvez toutes les photos sur nos Instagram et surtout sur notre compte Insta Exploration. Et d'ici là... Joyeux Halloween.